Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On s'intéresse à la véritable fin de l'extension Shadowlands, le jugement de Sylvanas. Alors récemment est sorti le patch 9.2.5. Un patch qui ne déborde pas de contenu. Il est surtout là pour introduire le cross-faction. D'ailleurs, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce cross-faction en vue d'en faire peut-être une vidéo future. Donnez-moi votre avis concernant le gameplay. Mais également concernant le lore. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas de ça que l'on va parler, ni du patch 9.2.5 d'ailleurs. On va remonter un petit peu et parler de la 9.1, avec la fin d'une grosse trame de l'histoire qui a débuté il y a quelques années. L'histoire de Sylvanas Coursevent. La fin de Shadowlands, c'est la défaite du Geôlier que l'on voit dans une cinématique finale au sépulcre des fondateurs. Le décryptage de cette cinématique est disponible sur la chaîne, pour ceux qui ne sont pas à jour. Mais la véritable fin de cette extension passe en fait via un dernier chapitre, le chapitre jugement, qui est l'épilogue. Une conclusion qui met en lumière Sylvanas, confronté à Tyran de Murmevant. Alors, petit rappel, aux dernières nouvelles, Pelagos est devenu le nouvel Arbitre, en remplaçant l'Avatar qui était destiné à l'être, mais qui s'est fait détruire par les serviteurs du geôlier, les Natrésim. natrésimes qui ont invoqué l'écho d'Argus, qu'ils voulaient placer dans l'Avatar, fameux écho d'ailleurs qui est responsable de l'inactivité de l'arbitre de Ribos au début de Shadowlands, c'est cette lumière rouge qui vient du ciel et qui transperce l'arbitre dans une des cinématiques. Heureusement, les aventuriers ont contré cet Argus et Pelagos s'est proposé à devenir le nouvel arbitre à la place d'un avatar qui ne pouvait plus l'être. Ainsi, Pelagos devient un éternel, prenant la mesure de ne plus envoyer d'âmes dans l'antre. Il préfère plutôt diriger les âmes vers l'au-delà qu'elles méritent, revendresse au pire des cas si vraiment les âmes sont méchantes. Mais pour lui, l'antre, c'est fini. Et ça c'est sa première décision. La deuxième va se porter vers la guérison de l'ombre terre, en commençant par convoquer une des personnes qui a infligé des blessures, Sylvanas Coursevent, qui doit être jugée. Bien que Sylvanas ait contribué à notre victoire au sépulcre des fondateurs, le dernier raid, notamment en participant à l'assaut contre le Geôlier, mais également en tentant de sauver Anduin de cette emprise de la magie de la domination, elle a toutefois commis de terribles atrocités qui n'ont pas été oubliées. Ni pardonner. Elle doit donc faire face à son jugement face au nouvel arbitre, à Oribos. Et c'est avec Uther que l'on ira escorter Sylvanas jusqu'à Pelagos. Et évidemment, en chemin, elle passe devant tout un tas de personnes qui lui en veulent et qui souhaitent l'avoir payée pour ces crimes. Ces personnes sont soit originaires de l'ombreterre, des ventir, des Kyrian, etc., qui vont crier sur elles quand elles s'approchent d'eux, « Vous avez souillé nos bosquets Le tourment est tout ce que vous méritez !» des phrases comme ça. Soit ce sont des personnes originaires d'Azeroth, qui étaient là depuis le début de l'extension, comme Bolvar, Anduin, Thrall, Jaina, Bane, Lilian Vos, Kalia Menethil, Dario Mogren, Taelia, Chandris Penlune, ou encore Tyrande, mais certains sont aussi arrivés récemment à Oribos, comme par exemple Lortemartheron et Talisra, Gristet, Maiev, Verissa et Aleria Coursevent, les sœurs de Sylvanas. Tout ce beau monde est réuni devant l'arbitre pour assister au jugement de Sylvanas. Sylvanas qui reste plutôt calme aux cris des accusateurs. D'ailleurs elle dit qu'elle n'en attendait pas moins, et en même temps, euh, normal. Pelagos va donc prendre la parole, disant qu'il ne peut y avoir de justice sans compassion. Il va remarquer que Sylvanas porte toujours la marque de l'influence du geôlier, geôlier que même les éternels eux-mêmes n'ont pas réussi à contrer. Bon, en gros, il met le doigt sur le fait que peut-être Sylvanas n'est pas 100% responsable. Sauf que Sylvanas va prendre la parole et va revendiquer avec confiance que tout ce qu'elle a fait, ce sont ses actions et non pas celles du geôlier. Elle acceptera les conséquences comme étant les siennes et uniquement les siennes. Je rappelle que Sylvanas n'a pas été contrôlée par le geôlier comme l'était Anduin par exemple. Ce qu'elle a fait était ses propres décisions. Pélagos répond alors qu'elle va devoir répondre. Sylvanas accepte et va même jusqu'à dire à haute voix que son jugement pourra être entre les mains de tyrans de Murmuvan. Son juge sera ainsi la chef des Elfes de la Nuit, peuple que Sylvanas a assassiné lorsqu'elle a brûlé Teldrassil, L'arbre-monde à Battle for Azeroth. Elle a donc décidé de mettre son destin dans les mains de celle qui la déteste le plus. Et évidemment, personne ne s'oppose à cette décision. Tyrande va alors s'avancer à grands pas jusqu'à Sylvanas. Elle est remplie de colère, de rage et de haine. Elle va brandir sa lame et la mettre sur la gorge de Sylvanas, qui va devoir faire d'ailleurs un mouvement de recul. Et Tyrande va lui demander à quel jeu elle joue. La Sylvanas qu'elle connaît, se soumettrait jamais. Tyrande est agressive, sans surprise, tandis que Sylvanas reste passive, plutôt soumise, et elle lui répond calmement que la mort serait une fin miséricordieuse, et qu'elle n'attend pas cette miséricorde de la part de Tyrande. Tyrande va alors baisser sa lame, parce que Sylvanas a raison. En vérité, elle n'a pas l'intention de la tuer, elle a envie de la voir payer de l'avoir expié ses crimes. Tyrande ne veut pas que Sylvanas ait la paix, en tout cas tant que ceux qu'elle a blessés ne l'ont pas. Suite à ça, Tyrande va se retirer tout simplement, toujours en colère, et va demander qu'on lui ramène la prisonnière. Tyrande a une idée bien précise de ce qu'elle veut pour le destin de Sylvanas. Et le voici. Elle veut qu'elle aille dans l'antre, trouver toutes les âmes perdues et torturées de cet endroit, les envoyer à l'arbitre, afin qu'elle soit jugée avec la compassion qu'elle mérite, et cela jusqu'à ce que la dernière âme de l'antre soit libre, et qu'il ne reste plus que Sylvanas sur place. Sylvanas écoute, tête et yeux baissés, jusqu'à lui répondre que peu importe le temps que ça prendra, elle le fera. Elle va alors s'approcher de l'accès menant à l'antre, lancer un dernier coup d'œil à ses sœurs placées juste derrière elle, Verissa qui la regarde avec tristesse, Là où Aleria c'est plus de la colère. Avant qu'elle saute, direction l'antre, suivie par Doritour, la chouette de Tyrande, chargée de la surveiller. Sylvanas a été jugée par Tyrande, et ainsi se conclut le chapitre de Shadowlands. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas vraiment fini. Il reste quelques points à aborder. <laughs> Suite à toute cette histoire, il y a la possibilité d'avoir des conversations entre plusieurs personnages. Et une des conversations que l'on peut avoir, c'est entre Aleria et Verissa Coursevent, les sœurs de Sylvanas. Alors il ne faut pas oublier que la dernière fois que les trois se sont vus, c'était avant Battle for Azeroth, où elles ont tenté de se réconcilier, mais où ça n'a pas marché. Sylvanas avait même prévu d'assassiner ses sœurs, mais finalement elle ne l'a pas fait. Cela à cause, ou plutôt grâce, à Verissa, car celle-ci s'est excusée de l'avoir abandonnée lors du procès de Garoche. Bon, bref, ici les deux sœurs sont réunies et ont un peu d'espoir pour la suite. Elles sont plutôt optimistes de revoir un jour Sylvanas et qu'elles soient toutes les trois de nouveau réunies. D'ailleurs, Verissa dit qu'avant, dans les yeux de Sylvanas, il n'y avait que de la haine et de la méchanceté, mais que ici, ce n'était pas le cas. Alors, toutes les deux vont essayer de s'accrocher à cet espoir. Qu'elles essayent d'avoir, et on verra bien ce que ça pourra donner avec Sylvanas par la suite. Pourra-t-on la revoir un jour Eh bien, c'est possible. Je ne pense pas que ce soit pour autant prévu dans la prochaine extension, et je ne sais d'ailleurs pas où cela pourrait mener, mais en tout cas, si elle n'est pas morte avec Blizzard, c'est qu'on pourra la revoir. Quand et dans quelles circonstances Ça, on ne sait pas. Passons à Bolvar et Dario Mogren, qui eux aussi ont une conversation. Alors cette fois, il n'est pas question de Sylvanas. Ils parlent surtout du fait que sans le home de domination, la couronne du roi Lich, eh bien le fléau est incontrôlé. Les morts-vivants errent sur Azeroth sans que le roi Lich ne puisse tempérer leur agressivité. Bolvar évoque l'idée de peut-être Retourner à la citadelle de la couronne de glace et de remonter sur le trône. Mais du coup, euh, sans couronne. Darion refuse. Il dit qu'il doit laisser le trône vacant et qu'il doit aller s'occuper de ce qui est beaucoup plus important pour lui, sa fille, Taelia, qu'il a retrouvée avec Shadowlands. Taelia qui a besoin de son père. Ils doivent se retrouver, père, fille, et pourquoi pas rattraper le temps perdu. Du coup, Darion assure que la lame d'ébène. Va s'occuper du fléau mort-vivant et va tenter de le garder sous contrôle, soit en le combattant, soit en ignore. Surtout que d'après lui, de puissants morts-vivants sont déjà en train de se battre le pouvoir. Du coup, à voir ce qui est prévu par la suite avec l'arc narratif autour du fléau mort-vivant. Concernant désormais Anduin, lui parle avec Gristet, qui, comme vous l'avez compris, a fait le déplacement en nombre terre. Jeanne Gristet est heureux de revoir Anduin. Sain et sauf. Surtout que il le considère comme un fils, et que la dernière fois qu'il l'a vu, c'était emmené par des entreliges de Sylvanas, au tout début de Shadowlands. Donc il y avait de quoi se poser des questions. Surtout qu'en plus, Anduin par la suite a été contrôlé par le geôlier, mais fort heureusement on a fini par le sauver et lui retirer cette magie de la domination. Mais cependant, Anduin. Reste un peu perdu. Il pense qu'il ne reviendra pas tout de suite à son rôle de roi de l'Alliance. Et il est d'ailleurs content que ce soit Thuralion qui soit son remplaçant, même si Thuralion n'est pas aussi pacifique que Anduin. Il est même possible qu'un jour des conflits voient le jour sous son règne, mais ça, ça reste à voir. Gêne est un peu tristoun de ne pas avoir Anduin qui rentre à la maison. Mais il comprend et lui dit de rentrer quand il sera prêt. D'ailleurs, concernant Anduin, alors, c'est pas dit clairement, mais c'est quand même fortement supposé. Il a peut-être rejoint Sylvanas dans l'Antre. Pourquoi faire Eh bien, l'aider dans sa tâche, peut-être. Dans le livre Sylvanas, écrit par Christy Golden, Sylvanas entend à un moment, alors qu'elle est dans l'Antre, un cliquetis d'armure. Armure de métal, d'ailleurs, qui pourrait correspondre à celle d'Anduin. Je vous lis le passage. « Mais avant que Sylvanas ne puisse à nouveau s'avancer dans l'immensité de l'Antre... » Elle entendit un son familier et tout à fait inattendu. Le cliquetis distinctif d'une armure métallique, l'espoir, lui avait dit Anduin, c'est ce que vous avez quand toutes les autres choses. vous ont manqué. Là où il y a de l'espoir, vous faites place à la guérison, à toutes les choses qui sont possibles et à certaines qui ne le sont pas. Sylvana se sentit l'espoir monter en elle et pour la première fois depuis si longtemps, elle l'invita à entrer. Bref, Anduin est peut-être la personne ciblée dans ce paragraphe, peut-être car il veut l'aider, car il veut discuter avec Sylvanas, ou alors parce qu'il veut lui-même se racheter, et donc euh, il participe à la corvée. Bon, à voir, ça ne reste bien sûr que des hypothèses. D'autres conversations sont disponibles, mais pour le coup, elles sont bien moins impactantes. Et une d'elles est entre Lortemar et grise tête. Alors là, on apprend simplement que gênes a encore de la colère envers Sylvanas. Il dit qu'il ne trouvera pas la paix tant que le monstre qui a tué son fils existe encore. Il en veut toujours à Sylvanas, et j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu normal. Liam, son fils, est mort en protégeant son père, qui était visé par une flèche noire envoyée par Sylvanas. Il l'a intercepté et est mort à la place de son père. Cet événement se déroule durant Cataclysme. D'ailleurs, vous pouvez y assister quand vous faites un worgen en jeu. Ce sont les quêtes de départ. Jen en veut énormément à Sylvanas depuis ce jour. Et une autre conversation a lieu entre Lortemar et Bane. Ici pareil, c'est pas extrêmement intéressant. Ils parlent simplement des personnes qu'ils aimeraient retrouver dans l'Ombreterre. terre. Bane, de son côté, dit qu'il n'en a pas besoin parce que l'esprit de son père est constamment avec lui. Là où Lortemar dit qu'il aurait quand même bien aimé parler à Kaeltas au soleil. Lortemar a été nommé seigneur régent par Kaeltas durant la troisième guerre, avant qu'il parte combattre le fléau mort-vivant. Un événement très important dans la vie de l'Ortemar, qui le fait avoir un nouveau rôle, et quand même un rôle important, hein, seigneur régent, et il se demande ce qu'en pense tas si par exemple il regrette le choix qu'il a fait, ce qui permettrait de réparer peut-être de vieilles blessures, ou tout simplement se dire de manière plus officielle que le flambeau a vraiment été passé. Lord émarre, roi des elfes. Alors à voir si tous ces dialogues auront un impact un jour, s'il y a une suite à tout ça. Pense notamment, par exemple, à ce que pourrait devenir Anduin. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ces dialogues, mais également sur le jugement de Sylvanas. Qu'en avez-vous pensé Et à votre avis, pensez-vous que l'on va revoir la reine Banshee un jour Et comment avez-vous ressenti cette fin Que vous soyez un adorateur de Sylvanas, ou que vous la détestiez bah, J'aimerais bien votre avis. Bien sûr, dites-moi tout ça en commentaire. De mon côté, je termine la vidéo en remerciant tous les contributeurs qui défilent à mes côtés. Merci infiniment. Et je vous dis... Voilà.